Messieurs, bonjour. Et oui, me revoilà. Donc, là, je vais vous parler du sujet du mardi 21 janvier, le sujet du live de mardi 21 janvier. Mais avant de commencer, avant de débuter cette vidéo, il faut savoir que dans quelques instants, dans quelques minutes, eh bien, vous allez avoir un petit sondage qui va venir juste là. Voilà, c'est ici. Ici, juste ici. Vous allez pouvoir voter. Pourquoi? Pourquoi voter? Eh bien, tout simplement parce que vous savez qu'il y a un changement. Peut-être que vous ne le savez pas, mais à partir de la semaine prochaine, ça sera tous les mardis. Alors, ça sera une fois par mois avec mon épouse. Et autrement, ça sera tous les mardis à la place du dimanche. L'heure ne changera pas. Ça sera toujours 20h30. Mais ça sera le mardi au lieu du dimanche. Alors, beaucoup ont voté. Beaucoup de gens de la communauté ont voté. Je pense que c'est beaucoup la communauté qui a voté sur le dernier sondage et je souhaiterais que, voilà, que, parce que, en fait, je vous en avais pas parlé, vous qui me suivez, vous qui avez la gentillesse de me suivre sur YouTube, mais vous ne faites pas partie de la communauté. Il y a peut-être vous n'avez pas vu le sondage. Donc, pour être sûr de ne pas nous tromper, que vous puissiez voter, vous, qui avait la gentillesse de me suivre, de vous intéresser à mes vidéos, eh bien, vous allez avoir un petit lien, je vais y arriver, un petit lien juste au-dessus, du moins, vous allez cliquer dessus et vous allez pouvoir voter. Alors, pour le mardi, pour ou contre? Est-ce que vous êtes pour ou contre le mardi 20h30 pour mes lives? Qu'on change et qu'on ne fasse plus ces lives, que je ne fasse plus ces lives le dimanche. Il faut savoir également que vous allez pouvoir maintenant me poser vos questions sur, si vous ne faites pas partie de la communauté. Avant, c'était seulement pour la communauté, les questions. Et maintenant, vous allez pouvoir me les poser également sur YouTube. Nous avons comment dire, une personne qui s'occupe aujourd'hui du chat de YouTube, un modérateur qui se prénomme Thierry. Et qui fait un peu le ménage quand il y a des problèmes vous savez qu'il y a beaucoup de trolls, hein, des gens mal intentionnés, des gens vulgaires, des gens agressifs, des gens qui aiment la diffamation, puis ils font rien d'autre que diffamer, hein, parce qu'ils vous apporteront strictement rien d'autre, mais bon, c'est leur grand jeu, c'est leur plaisir, puis bon, dans leur pauvre vie, ils ont que ça à faire. Donc, pour cette raison, eh bien, il y a aujourd'hui un modérateur qui se prénomme Thierry, mais grâce à ce modérateur, grâce à Thierry, vous allez maintenant pouvoir également me poser des questions sur YouTube si vous ne souhaitez pas venir nous rejoindre sur la communauté. Et Fabrice, bien sûr, Fabrice qui est notre technicien aujourd'hui, qui fait partie du staff. Nous sommes quatre aujourd'hui, du moins quatre. Nous sommes cinq en tout, avec ma personne. Et quatre personnes qui sont vraiment aujourd'hui importantes pour la communauté. Fabrice, les deux Thierry et Bruno. Alors Fabrice et Bruno sont des modérateurs sur la communauté et Fabrice est le notre technicien et Thierry et les deux Thierry sont modérateurs sur le forum. Hein, je vous rappelle que nous avons un forum. Il y a le lien juste en dessous, le site vidéo et le deuxième Thierry de Lyon. Eh bien, et modérateur, comme je vous le dis, pour mes lives sur YouTube. Donc, comme ça vous donne la possibilité de pouvoir nous écrire, de pouvoir m'écrire pendant ce live et pouvoir poser vos questions. Alors, qu'est-ce qui va se passer mardi 21 janvier? Eh bien, le sujet sera ce que les agences ne vous disent jamais. Et ce ne sont pas les agences, parce que très peu de ces sites sont de vraies agences. Alors certains, c'est plutôt Boom. Puis d'autres, c'est plutôt site de rencontre femmes de l'Est parce qu'en fait, ils ne travaillent pas comme de vraies agences internationales, de vraies agences matrimoniales. Non, 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 ils se donnent ce nom, mais ce ne sont pas des vraies agences matrimoniales. Ce sont seulement des sites de rencontre femmes de l'Est. Donc, ils pensent être pionniers, mais ça fait longtemps qu'ils ne le sont pas. Ça, c'est aussi du baratin, c'est aussi bien aussi de l'esbroufe, hein, quelques paillettes. Voilà. Alors, on va remettre tout ça dans le bon sens. Voilà, je vais remettre les pieds dans le plat et remettre tout ça dans son contexte et remettre la vérité où elle doit être. Alors, oui, messieurs, nous allons parler de ce que les sites, je dis bien les sites de rencontres club femmes de l'Est,
ne vous dit jamais oui. Alors, bien sûr, en France, au Canada et aux États-Unis. Parce que pourquoi ne pas parler des États-Unis? Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire sur les USA. Donc, nous allons parler de tout ça mardi 21 janvier, lors de mon live, justement le mardi à 20h30. Et nous allons pouvoir converser ensemble. Et bien sûr, vous pourrez poser des questions sur la communauté et également sur YouTube. Je vous rappelle que nous partons bientôt à Kharkov. Et je vous rappelle qu'il y aura également un live à Kharkov. Et oui, messieurs, un beau live. Allez, je vous